Bonjour, bienvenue dans cette série de formations que je dédie aux débutants, plus précisément pour tous ceux qui veulent devenir développeurs, qui veulent commencer par un langage très facile, qui est en français, facile pour nous les francophones, c'est pas compliqué du tout parce qu'on comprend tout ce qu'on fait. Alors, avant de débuter, je dirais premièrement, avant de commencer d'apprendre WinDev, il faut comprendre que WinDev n'est pas un langage fait pour uniquement que des débutants. Non, c'est un langage totalement presque complet. Pourquoi je dis presque complet? C'est parce qu'ils font sortir de nouvelles versions d'amélioration chaque année. Donc, à cet effet, je ne dirais pas d'abord que c'est complet. Ensuite, secondo, il faut que nous, les francophones, nous comprenions que avec les programmations en anglais, c'est pas évident que tout le monde le comprenne et la mainmise là-dessus. On peut comprendre les concepts, comment ça fonctionne, mais réellement être super à l'aise si tu comprends pas l'anglais, et c'est compliqué. Mais avec WinDev, moi, en 2 mois, c'était bon. J'étais très bien maintenant. Je me débrouille pas mal parce que la documentation, j'avais même pas besoin d'aller dans un forum ni rien. Tout était complet dans la documentation. Alors, c'était juste une petite parenthèse. Je me nomme Mamadou Salou Diallo, formateur et développeur. Bien. Alors, on va commencer ici par cette partie un peu négligée, mais qui est très intéressante, à savoir créer son projet. Donc là, on va cliquer sur ouvrir un projet. Tout le monde le sait, c'est pas du tout un miracle. Alors, cette fois, je vais créer mon projet, qui sera une application Android, parce que avec WinDev, on a la possibilité de créer une application Android ou iOS, une application Windows 10 App, Windows CE, etc., etc. Le web service, tous ces composants, tous ces trucs qui sont devant vous, consistent à une plateforme bien dédiée. Mais nous, on va certainement se baser dans cette série de formations sur la partie application Android ou iOS. Alors, je clique là-dessus. La fenêtre de l'assistant apparaît. Dans cette fenêtre, rien de si compliqué aussi. Le but, c'est de vous expliquer bout à bout tout ce que vous voyez lors de la création de votre projet. Ici, dans Windows 25, on nous propose de créer une application multiplateforme. Cela veut dire que en créant l'application, on a déjà dans les deux plateformes, iOS et Android. L'avantage est que on n'a plus besoin de créer un nouveau projet de type iOS pour refaire tout ça ou copier-coller toutes les fenêtres. On peut créer ici directement la plateforme à l'aide de cette configuration assistant du projet ou dans l'explorateur du projet aussi. Alors, moi, je vais maintenir ceci parce que je ne vais pas faire Android uniquement ni iOS uniquement. Je vais faire suivant. Là, on me demande si je vais créer un projet vide ou si je veux prendre la partie d'un exemple existant. À partir d'un exemple existant, je ne souhaiterais pas pour le moment, pour un débutant, je ne vous conseille pas de commencer par les exemples. Ignorez ces exemples. Parce que, pourquoi je vous dis d'ignorer ces exemples? Si vous n'avez pas un peu la notion à WinDev, et ça va vous rendre paresseux parce que vous allez croire que c'est complexe, or que non. Alors, ce que je voudrais que je vous conseille, apprenez d'abord jusqu'à ce que vous ayez le niveau intermédiaire avant de commencer à visiter et à regarder ces exemples. Ensuite, dans cet assistant, la partie, toujours dans la partie une description, on nous demande si on veut générer une application tablette et téléphone portable. Ça veut dire supportable dans toutes ces deux types de formes d'appareils. Alors moi, je prends le premier parce que je ne vais pas faire pour appareil seulement ni pour tablette seulement. Je vais faire pour les deux. Donc là, on a la possibilité de donner notre projet. Par exemple, là, on va appeler ça FRM, ça qui veut dire formation. D'accord? Formation 1. Et là, ça c'est le nom de notre projet. C'est très intéressant parce que le dossier possédera ce nom. Et là, voilà où le projet est logé. Il est logé là. On est capable de le changer, mais je suggère que vous le maintenez là. Et là, on va décrire le projet. À quoi consiste cette application? Donc, il faut que vous le précisiez ici. D'accord? Vous précisez à quoi consiste cette application. Vous donnez le résumé ici de votre application. Suivant. Et là, comme ils ont décrit ici, les projets commencent souvent par des spécifications
des schémas ou des mots ou des notes manuscrites. Bref, tout ce que vous avez, le cahier des charges, les UML qu'on vous a donné, les spécifications techniques ou les spécifications techniques détaillées ou comment on appelle ça, en tout cas l'analyse, tout ce que vous avez en papier, vous pouvez les scanner et les mettre à l'intérieur ici. Cela vous servira après plus tard de savoir, oui, ok, le cahier de charge, j'avais ça, ou de revoir en un même endroit. Ici, on demande d'utiliser le gestionnaire de sources. Le gestionnaire de sources, je vous explique pour que vous puissiez comprendre très facilement étant débutant. C'est une sorte de mettre votre projet dans un disque ou dans un serveur, c'est-à-dire un disque qui est connecté, où on peut avoir accès tout le temps. Ensuite, si on est plusieurs développeurs, on peut tous aller puiser le projet dans le disque là ou dans le serveur là afin de travailler ensemble. Il y a ce qu'on appelle aussi la réintégration à l'intérieur. Cela veut dire chaque modification est stockée. Donc, il y a quelqu'un qui est là pour valider, si vous voulez. Et nous avons encore quelque chose qu'on appelle la réintégration. Quand tu finis de faire, tu peux réintégrer le projet, c'est-à-dire la fenêtre ou le code que tu as changé. Alors, ça c'est juste une bref des choses. Ce qu'il faut retenir, le GDS, vous n'aurez besoin que si vous avez besoin d'utiliser peut-être votre projet en dehors de votre pays, à distance, partout dans le monde, ou que vous êtes plusieurs développeurs, vous devez tous développer le même projet. Donc là, moi je vais dire non, je ne vais pas l'utiliser. Désolé, d'accord. Ici, nous avons ce qu'on appelle la charte de programmation. La charte de programmation, elle est très très importante. Par exemple, en Java, on dit que les classes commencent toujours en majuscule. Par exemple, le nom des variables commence toujours par minuscule, mais s'il y a un autre mot dans le nom de variable, il doit commencer par la majuscule, par exemple. Le package, toujours en minuscule. Donc, c'est la même façon en Windows aussi. Au fait, ici, je vais cliquer sur éditer. Si on dit charte graphique, ça veut dire les mots qui vont préfixer les noms de notre champ pour être facile à être appelé. Par exemple, moi, je m'appelle Salut Diallo, mais dans la programmation, pour faciliter, on peut me dire Homme Salut Diallo. Donc, le Homme qui est derrière est la charte de programmation. Exemple plus pratique pour ne pas vous mélanger. Alors, si ici, on parle par exemple d'une caméra, si vous avez installé ou bien introduit, inséré la caméra dans votre application, le nom de la caméra insérée commencera par cam. Ainsi, ça facilitera le travail. Si c'est un bouton, ça commencera par btn. D'accord? Je vais chercher le bouton. Vous voyez, bouton commence par btn. Calendrier par cal. Caméra par cam. Courriel par car. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle la charte de programmation. Elle nous permettra facilement d'appeler nos éléments dans la programmation. On va l'utiliser. On ne va pas dire non qu'on ne va pas l'utiliser. On va l'utiliser. Sinon, il y aura des complications. Suivant. Alors, là, on nous propose la charte graphique. La charte graphique, bref, c'est le design, le look. Il vous propose, vous savez, le design, normalement, c'est trois couleurs. Alors, la WinDev nous propose déjà trois couleurs, 2x4, mais bien élaborées. Donc, par exemple, si vous prenez ce design, ils vous donneront le gris, le bleu et le blanc. Alors là, votre application restera dans les normes de design, ça sera attractif et beau. Donc, ici, on parlera de la langue. Si votre application a plusieurs langues ou bien vous voulez faire une application multilingue, c'est ici qu'on doit le faire. Je vais vous apprendre d'abord comment faire un multilingue. Ici, on peut cliquer sur « Ajouter » et chercher ici la langue suivante que vous l'ajoutez à votre application. Je veux que mon application soit en anglais et en français. Ne vous inquiétez pas pour dire « Comment ?» Après, je dirais que c'est en anglais, lui doit avoir, lui en français. On verra ça plus tard dans les formations. Donc là, notre langue de base est le français. On va commencer par programmer ou à écrire tout en français au début. Ou vous dites « Right click », ça dit « Clic droit ». Dites langue par défaut, donc l'anglais sera la langue première qu'il faut écrire avant de la traduire en français. Mais comme on parle en français, on va dire que la langue par défaut sera en français. Maintenant, n'oubliez surtout pas, les nombres sont comme en français, séparés par des virgules ou par des points. Je crois, nous, on sépare de rien, si je ne me trompe pas.
je crois. On ne sépare pas rien. Donc l'exemple, il est là. Donc le monétaire, si je suis guinéen, je vais mettre le GNF. Voilà. Comme ça, si je mets une somme dans l'application, il prendra le suffixe GNF. D'accord? Donc là, il y a virgule. Nous, on n'a pas des centimes dans notre pays. J'enlève ça. On n'a pas des centimes du tout. J'enlève. Donc voilà à quoi ressemblera mes chiffres en monétaire. Oui, c'est bon. L'heure, je crois qu'on a les mêmes heures. Mais sinon, vous pouvez changer. Vous dites, bon, vous, votre heure, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais moi, je préfère maintenir l'heure. La date, jour, mois, année. C'est bon. La durée, ainsi de suite. Donc, vous avez tout le droit de modifier ce que vous voulez. Alors, ici aussi, de même, vous pouvez faire la même chose pour ce langage aussi. Donc, je peux déplacer l'anglais en haut, mais ça n'a pas de sens parce que, de toute façon, c'est celle-là qui est la langue par défaut. On peut la supprimer plus tard si on a besoin. Donc, on va faire suivant. Et là, on nous demande si on veut créer une base de données. Bon, pour le moment, on est débutant. On ne veut pas créer de base de données. Non, on ne veut pas s'embrouiller. On va dire non. Sinon, là, c'est pour créer. Là, c'est pour utiliser une base de données existante que Indev a proposée pour nous faciliter la tâche. Mais là, non, je ne crée pas. Alors, je dis, je suis terminé. Et voilà, je tombe directement dans mon application. Et dans le projet, pour le moment, c'est pas une application. Ben là, je vais prendre juste une fenêtre vite, tout court. Voilà, tranquille. Et pour vous prévenir, là, on est en mode iPhone. Par exemple, je nomme ça iPhone. Et n'oubliez pas, ici, il y a la configuration. Donc, je peux cliquer là. On a l'iPhone qui est activé actuellement. Mais on peut activer l'Android si on veut commencer par coder en Android. Donc, merci. Et n'hésitez pas, abonnez-vous, contactez-moi, posez-moi des questions. Et surtout, je vais voir si je fais mal ou je fais des erreurs quelque part. Prière, tu me rectifies par mail. Merci et à bientôt.